Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudariev et aujourd'hui nous parlerons des travaux et des changements que vous pourrez voir sur le chantier de construction du futur BTUI Sovelmash. Commençons donc par le toit. Les travaux de toiture continuent. Maintenant, on s'occupe de l'installation de la toiture dans les endroits où se trouvent les puits d'ascenseur. De plus, on assure la contiguïté dans les lieux de sortie des marches d'escalier sur le toit. Une grande quantité de travail est effectuée lors de la coulée de béton des planchers du deuxième étage. Hier, on a coulé une carte lointaine située dans la partie la plus éloignée du bâtiment, plus près du groupe de rampe. Aujourd'hui, la coulée de la carte suivante est effectuée. Elle a des dimensions plus grandes, ce que vous pouvez maintenant voir sur vos écrans. En outre, les préparatifs pour la coulée des planchers intermédiaires du premier étage se poursuivent. Le treillis d'armature, les cadres d'armature sont disposés, leur cerclage est effectué et une préparation supplémentaire pour le chauffage est réalisée. Le bâtiment du BTEI prend un aspect de plus en plus fini, donc l'installation de structures de clôture sur les dépendances de la partie avant du bâtiment, ainsi que le groupe de rampe et le deuxième étage, bien sûr, vous l'avez déjà vu sur les images qui vous sont fournies. Maintenant, les équipes de construction de la société AK Moscou, Astron et tous ceux qui travaillent sur le chantier sont confrontés à des conditions de travail vraiment difficiles. C'est à la fois des précipitations abondantes et une température au-dessus de zéro. Mais néanmoins, tout le monde sait ce qu'il a à faire et comment se comporter dans telle ou telle situation. Par conséquent, toutes les mesures nécessaires sont prises. L'extérieur du bâtiment a un aspect bien sûr assez enneigé, mais néanmoins, là où les travaux sont effectués, le déneigement local est assuré et les travaux se déroulent dans leur intégralité sans retard. Mes félicitations. Pour être au courant de tous les événements qui se déroulent dans le projet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Laissez vos commentaires, peut-être que vous êtes intéressé par quelque chose de spécifique. Posez vos questions, on va essayer de répondre. Au revoir.